Oui, je crois qu'il sera vraiment très difficile de prouver qu'on encourage les gens à abandonner le travail dans un ministère où la plupart des pasteurs travaillent, quoi. Travailler avant d'être où on travaillait avant. C'est ça, et voilà, c'est vraiment difficile, ce sera difficile à prouver. Mais j'aimerais, si tu permets, Daniel, rebondir un peu sur ce que le pasteur Yvon disait et encourager les jeunes chrétiens qui nous regardent. Suivre Jésus a un prix à payer. Suivre Jésus a un prix à payer. Amen. On ne suit pas Jésus. Et là, je suis dans le fait religieux. Pour suivre Jésus, il faut d'abord naître de nouveau. Et le but de la nouvelle naissance n'est pas de s'arrêter à la nouvelle naissance. Sinon, Jésus aurait dit, allez et faites des bébés. Il a dit, allez et faites de toutes les nations. Wow. Des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est quoi le but d'un vrai disciple? Le but d'un vrai disciple, c'est de ressembler à son maître. Et les premiers apôtres avaient tellement bien fait le boulot qu'à Antioche, quand on a vu les disciples, on a dit, ah ben ils sont comme Christ. Donc le but est de ressembler à Jésus. Le but est de prier comme Jésus. Le but est d'aimer comme Jésus. Le but est de chasser les démons comme Jésus. Le but est de faire le bien comme Jésus. Et pour cela, après la nouvelle naissance, les conditions pour suivre Jésus, je suis vraiment désolé, sont assez drastiques. Il faut te charger de ta croix, c'est-à-dire renoncer à toi-même. Arriver à un point où ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Il y a un prix à payer.